بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي ميزنمي ميزنمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Quelle belle invocation, quel bel engagement de paix, de miséricorde, de bénédiction et de tous les excellents comportements de l'islam. Mes frères et sœurs, pas encore musulmans, en humanité, qu'Allah vous accorde les délices de la guider. J'aime votre tolérance, j'aime votre souplesse intellectuelle, j'aime votre sens très développé des responsabilités, j'aime votre amour de vivre ensemble, j'aime tout ce qui est beau, qui vous caractérise, j'apprends de vous, et j'essaye toujours, toujours de vivre en bonne entente, en belle symbiose avec vous. Qu'Allah nous accorde, et nous accorde, les guider infinie, délicieuse de l'islam. On entre directement dans le vif du sujet avec transition. Un frère m'a dit « Bonjour, on m'a dirigé vers vous. » On m'a dirigé vers vous. Le « on » impersonnel. Pour profiter de votre science, entre guillemets. J'ai juste une simple question. Pensez-vous que Dieu est capable de tout, y compris de créer une chose plus puissante que lui? Merci. Donc il y a un historique à rappeler, ce frère est venu jouer le malin sur Twitter d'une manière intensive, continue, frontale. Moi, je ne gère pas le compte Twitter de l'Oasis de l'Excellence. Et on m'a parlé de lui. D'accord ? Et c'est vrai qu'il n'arrêtait plus. Et on l'a orienté, le rond impersonnel, la personne qui gère le compte Twitter, l'a orienté vers moi. Donc c'est pour ça qu'il introduit son arrivée comme ça. Votre science, c'est de l'humour. D'accord ? La question... C'est de l'humour, un peu noir peut-être, ou un peu gris. Donc, je répète la question, pensez-vous que Dieu est capable de tout, y compris de créer une chose plus puissante que lui? Merci. Ma réponse est, bonjour mon frère bien-aimé. Qu'Allah t'accorde les délices de la guidée islamique. J'ai bien reçu ton message et je te remercie du fond du cœur pour ta confiance qui m'honore. Quel honneur! Avant d'essayer de répondre à ta question, je vais me permettre de te poser d'autres, avec S. Qu'est-ce que Dieu? Est-ce que Dieu existe? Et si Dieu existe, qui l'a créé? Si Dieu existe, quelles sont ses caractéristiques? Etc. Et je lui pose une question à la fin. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions? Si la réponse est oui, merci de me donner tes réponses. La réponse à ta question découle de la réponse à ces questions. Si tu souhaites un échange oral, je te propose de me donner ton numéro de téléphone et les jours, les horaires, qui t'arrange pour échanger dans le respect, la fraternité humaine, la tolérance, la souplesse intellectuelle, la joie et la bonne humeur. Ton frère, qu'Allah nous guide, qu'Allah guide par nous. Donc il m'a envoyé ce message, je lui ai envoyé celui-là. Et là il me dit, rebonjour, vous auriez quand même pu essayer de répondre à ma question et à celle qui en découle. Non. Il fallait d'abord que toi tu répondes à ces questions et tu verras que dans ta réponse, il y a eu la réponse à ta question. Donc moi j'économise mon énergie s'il te plaît
Et je travaille avec la tienne, s'il te plaît. C'est comme ça, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Il nous dit, et on vous a créé des tribus et des nations, des peuples, il a des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Donc de ta belle science à toi, de ta belle connaissance à toi, extraordinairement bien développée, extraordinairement bien aiguisée, je vais te donner la réponse de ce que toi tu as dit. Excellent. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est la perfection. Il a répondu lui-même. On va avancer, tu vas voir. Qu'est-ce que Dieu ? Donc il répond. Dieu est une image que certaines personnes aiment se créer mentalement pour identifier un créateur, pour répondre aux questions qui n'ont pas encore de réponse. Pourquoi ces gens ont ce genre de pratique ? Comme certains enfants, aimés aiment avoir un ami imaginaire, les croyants sentent le besoin d'avoir un repère pour ne pas se sentir seul, abandonné, dans cette immensité qu'est l'univers. La peur de la mort peut amener à l'idée d'un monde imaginaire. Bref, les sciences occultes ont mille et une façons d'amener les esprits à la conception mentale d'une ou plusieurs divinités. D'accord ? Donc là, tu ne m'as rien apporté, tu ne m'as rien appris, c'est ce que j'entends depuis très longtemps, d'accord ? Avant même mon arrivée en France. Mais depuis mon arrivée en France, j'entends ce discours à la perfection, en continu, il est répété partout. C'est une nouvelle religion qui cadre la compréhension de ce Dieu imaginaire que les imbéciles, que les superstitieux, que ceux qui n'arrivent pas à trouver des réponses à des choses qui les dépassent, ont mis en place. Ça, tu ne m'as rien apporté et tu n'as toujours pas répondu à ta question. Parfait. Est-ce que Dieu existe ? Il existe dans l'imaginaire de ceux qui veulent croire en lui. Donc ta question ne se pose même pas. Donc si Dieu n'existe pas, ta question, hein, donc j'étais un tout petit peu intelligent en te posant cette question. Donc s'il n'existe pas, il n'y a pas, tu ne vas pas me dire ce que Dieu peut créer plus fort que lui. D'accord ? Donc il n'existe pas. Donc il existe dans l'imaginaire de ceux qui veulent croire en lui, en elle. L'égalité des... Très bien, il nous a mis lui, elle. Concrètement, existe-t-il ? Personne ne peut répondre à cette question, qui demeurera peut-être sans réponse à jamais. Et là, tu as menti. Là, tu as été malhonnête. Parce que tu as été conditionné par une autre religion. Je vais t'expliquer, Inch'Allah. Si Dieu existe, qui l'a créé ? Et c'est là la réponse à ta question. Wallahi, j'étais heureux quand j'ai le sang. Wallahi, c'est, je le jure par Allah, ce Dieu qui n'existe pas. Que j'étais vraiment heureux quand j'ai vu ça. Regarde ça. Ce paradoxe amène à une impossible réponse. Dieu ne peut être créé. Et si Dieu a été créé à partir de rien, alors pourquoi ce même rien n'aurait-il pas pu créer l'ensemble des choses existantes ? Ma question avait pour but de souligner ce paradoxe. Donc j'avais vu le piège. Donc, non, c'est philosophique, Habibi. Si tu me dis, prouve-moi l'existence de Dieu par la science, par la philosophie, je suis capable de le faire, alhamdoulilah. Si tu me dis par la science, je suis capable de le faire, pas par la science occulte. Et si tu me dis par le Coran, je suis capable de le faire. Par la Bible, je ne pourrais pas. D'accord ? Par la Bible, la forme actuelle de la Bible, falsifiée, je ne pourrais pas. Mais par la philosophie, parfait. Là, on est dans la perfection, on pourra échanger ensemble dans la joie et la bonne humeur et dans l'intelligence de la philosophie. Non. Donc, dans la philosophie, il y a des questions qui doivent s'arrêter. Sinon, on ne s'en sort pas du tout. D'accord ? Donc, l'esprit philosophe parfaitement blindé et bordé, que j'aime beaucoup, t'indique et m'indique que c'est un paradoxe. Je ne veux pas dire qui a créé Dieu, parce que je vais avoir une réponse, c'est un Dieu plus puissant que lui. Ok. Mais qui a créé ce Dieu plus puissant que lui ? C'est un autre Dieu plus puissant que lui. Et on part à l'infini. On ne s'en sort pas du tout. Donc la philosophie nous a appris de border les choses et de se poser, d'accord ? Et de poser un raisonnement blindé. Qui a créé Dieu ? Donc soit il existe, soit il n'existe pas. Parfait. Maintenant, s'il existe, est-ce qu'il peut créer plus fort que lui ? Ben, c'est là la question suivante qui te dit, quelles sont ses caractéristiques ? Quelles sont les caractéristiques de Dieu ? Si Dieu peut créer plus fort que lui, d'accord ? Il n'est plus Dieu. Il n'est plus Dieu. On tombe encore dans un
dans une aberration, dans une impasse. D'accord ? Donc tu as répondu à ta question, je dois te dire parfait, tu as excellé, avançons maintenant pour la première question, est-ce que Dieu existe ? Et c'est là où notre échange va être intéressant, Charles. On va commencer par la première que je t'ai posée, on va discuter pendant des heures et des heures, Inch'Allah, pendant des jours et des semaines et même des mois, si tu es intéressé, et on verra, Inch'Allah. Donc je continue. Ma question avait pour but de souligner ce paradoxe. Parfait. Donc moi j'ai compris, tu n'avais pas besoin de me le souligner à moi, d'accord ? Parce que je le comprends, ce paradoxe. Non. Pour me souligner ce paradoxe, et ainsi exprimer mon idée que tout est paradoxal et que Dieu peut à la fois exister et ne pas exister. Et là je ne suis pas d'accord. Plus précisément, que la définition de Dieu, selon toutes les religions, est bien trop simpliste. Est-ce que tu connais la définition de Dieu dans toutes les religions ? Là, tu te donnes une importance que tu n'as pas. Avoue, s'il te plaît, que tu as un minimum de connaissances de celle qui m'intéresse personnellement et qui est la religion par excellence. Regarde cette arrogance. Si tu me prouves, toi, qu'elle n'est pas la religion par excellence, moi, je te donne ce que tu veux. D'accord ? Et je suis capable de te clouer le bec. Jusqu'à l'infini, Inch'Allah. D'accord ? Donc tu ne connais pas les définitions de la religion pour toutes de Dieu pour toutes les religions. Cette notion même qui ne m'intéresse même pas personnellement. Dieu pour moi, je l'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas moi qui l'a voulu. C'est lui qui a décidé de se donner ce nom. Je ne veux pas l'appeler ni God, ni Dieu, ni rien. Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Donc la définition de Dieu sont toutes, selon toutes les religions, est bien trop simpliste. Il faudra la prochaine fois que tu me la donnes, s'il te plaît. Tu me dis, ok, les religions sont infinies. Je ne vais pas te fatiguer, mon frère. Je demande trois. La chrétienne, la religion juive, le judaïsme, le christianisme et l'islamisme. D'accord ? Tu nous donneras la définition chadar pour chacun et là on pourra discuter, échanger. Et que finalement, ceux qui arrivent à décrire au mieux Dieu sont les philosophes, à la perfection. Bah, c'est bon, tu aimes le raisonnement philosophique, on va y aller, Inch'Allah. Mathématiciens et autres scientifiques qui ne sont pas religieux. Et maintenant, si je te dis qu'il y a des philosophes, beaucoup de philosophes religieux, qui au moins reconnaissent Dieu. Les trois, que tu les connais. Les trois sur lesquels toute la philosophie, toute la science actuelle a été bâtie. Lesquels ? Platon, Aristote, Socrate. Aristote, je m'excuse, je ne dois plus dire le R. Donc si je dis le R la prochaine fois, je te donne un euro. Aristote, Socrate et Platon. Les trois, d'accord ? Si ma mémoire philosophique est bonne, ils étaient tous les trois déistes. C'est-à-dire qu'ils connaissaient, ils reconnaissaient Dieu. Mais Aristote, par exemple, a développé une belle manière de voir les choses. Dieu a créé tout, d'accord ? Il a fait le nécessaire. Dieu ne va pas s'occuper des affaires des humains. Imagine, il s'occupe de quelqu'un comme toi. Imagine, il s'occupe de quelqu'un comme moi. Donc, Aristote nous a dit qu'il a tout créé à la perfection et il est parti s'occuper de ses affaires. C'est une aberration. D'accord ? C'est une aberration de M. Aristote, le pauvre. Mais, il y a 2500 ans, 2600 ans, les pauvres. Mais au moins, il était un peu plus honnête que toi. Donc, si tu bases ton raisonnement sur la philosophie, moi, je suis preneur. Je suis passionné par la matière et ça m'intéresse. Et mathématiciens, beaucoup de mathématiciens, dont je suis DONT. J'ai toujours été amoureux des mathématiques, je suis un mathématicien pur et dur, d'accord ? Les gens aiment s'amuser, moi je peux prendre une équation, je peux faire 20 pages pour la résoudre. Donc les mathématiques me plaisent beaucoup, et beaucoup de mathématiciens sont musulmans. Khwarizmi, le fondateur de l'algorithmique et de l'algèbre, est un musulman, et il y en a d'autres, d'accord ? Très bien. Et les meilleurs mathématiciens de ton pays aujourd'hui, la majorité écrasante des mathématiciens de ton pays, d'accord, sont musulmans. Est-ce que tu le sais ? Va à Poincaré à Nancy, va dans les universités françaises, quelles qu'elles soient, tu trouveras des maghrébins musulmans et extraordinairement musulmans, avec une foi très développée. Donc voilà, mathématiciens. Et autres scientifiques qui, eux, ne sont pas religieux. Tu mens, tu ne veux pas généraliser. Tu peux me dire que quelques-uns ont refusé la religion parce qu'ils n'ont pas encore trouvé quelqu'un comme moi pour les aider,
à la comprendre et à la connaître, pourquoi pas. Mais tu me dis qu'ils sont tous pas religieux, c'est catastrophique, c'est mensonge. Soit s'il te plaît, soit rigoureux, nam. Tu parles de mathématiques, j'aime la rigueur mathématique. Soit rigoureux, s'il te plaît. Qui ne sont pas religieux, voire pas croyants. Non, il y a aujourd'hui, dans le monde, tout et n'importe quoi. Maintenant, si tu veux vraiment la norme, il n'y a pas de scientifique qui mérite cette appellation et qui a un minimum d'honnêteté scientifique qui n'est pas croyant. Je dis franchement, il n'y a pas de scientifique, il n'y a pas de philosophe qui a un minimum d'honnêteté philosophique ou scientifique qui n'est pas croyant. On va réviser celle-là, Inch'Allah. Là, donc tu connais tous les Isaac Newton, religieux, croyant pur, Descartes, croyant pur et dur. Einstein, jusqu'à la fin de sa vie, ils nous ont sorti une lettre, apparemment qu'il a écrite, dans laquelle il ne reconnaît pas Dieu. Mais toute sa vie, il a combattu les athées, et il leur a dit, allez vous faire voir. Je ne vais pas vous dire que Dieu n'existe pas. D'accord ? N'importe quel scientifique de tous ceux avec lesquels tu as grandi à l'école, d'accord, hein, l'Inde que vous sortez à chaque fois, les amis, tu n'es pas athée, mais nos amis, comment il s'appelle ? Darwin. Darwin est religieux. Darwin est religieux. D'accord ? Donc arrête de mentir, s'il te plaît. Au moins croyant, mais parce que tu n'aimes pas le mot religion. La religion est une entreprise qui travaille sur le marché de la foi. Et rien ne leur permet de prétendre avoir le monopole de la réponse au sujet de Dieu. Ça, c'est la religion qu'on t'a présentée depuis ta naissance. Sa définition, sa conceptualisation découle d'il y a quelques siècles de ce que le clergé a fait subir à la science et de ce que le clergé a tiré comme argent de cette entreprise qui s'appelle religion. Cette manière-là, de voir cette réaction-là, moi je ne veux pas la subir. Parce que moi, depuis l'avènement de l'islam, l'islam a toujours avancé main dans la main avec la science. Notre référence absolue à nous s'appelle le Coran. Le Coran t'invite, depuis le début jusqu'à la fin, à réfléchir, à raisonner, à chercher, à essayer de comprendre l'univers. D'accord ? Nous, on n'a pas de problème, Habibi. Si Galilée était dans la terre des musulmans à l'époque, ben, tout le monde aurait applaudi, tout le monde aurait financé, hein, les plus grands califes auraient financé ses études, mon ami. Ça ne pose aucun problème. Donc ta conception de la religion, ta compréhension de la religion ne m'implique pas moi, ne m'intéresse même pas moi. Je peux la comprendre, je peux la voir, je connais son historique, d'accord ? Mais elle ne m'engage pas moi, d'accord ? Elle est légitime pour toi, je comprends que toi tu comprends les choses comme ça, tu as été conditionné par une religion qui refuse la religion. C'est ton problème, mais ce n'est pas le mien. D'accord ? Prétendre avoir le monopole de la réponse au sujet de Dieu. Habibi, je sais que tu trouves la religion répugnante. D'accord ? Tu as une allergie. Il n'y a pas de religion qui est moi qui m'explique Dieu. Dieu lui-même explique ce que c'est que lui, qui est lui. D'accord ? Lui-même. Il n'y a pas de religion. Au fond, non, il y a eu, pour tes arrière-grands-parents, ils ne pouvaient pas aller aux toilettes si le clergé n'avait pas dit oui. Ils ne pouvaient pas avoir une relation avec Dieu s'ils n'avaient pas entre eux et Dieu un monsieur qui va écouter leur blablabla, leur péché, leur déclaration de péché. Ils vont se confesser, le verbe se confesser. Alors, ça, c'est tes grands-parents, tes arrière-grands-parents. Pas pour moi, Habibi. Moi, c'est direct. Connexion directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Direct. Et c'est lui qui se définit, qui explique ce qu'il est, ce qu'il attend de nous. Ok ? Donc tu vois, qui est aujourd'hui méchant ? Hein ? Qui est injuste ? C'est nous ou toi ? À toi de me dire, Inch'Allah, l'avenir. Vous voilà avec mon point de vue, celui d'un agnostique. Oh là là là, pas un athée. Il me met haine. Je pense qu'il a mis un smile. Parfait. Bah mon ami, c'est la perfection. On va bien s'entendre, toi et moi. On va bien avancer. Tu aimes la philosophie, j'aime la philosophie. Tu es un peu logique, mais tu essaies de raisonner, mais tu as été perverti. Parfait. Je vais te dépervertir, d'accord ? Je vais te déradicaliser. Tu as besoin d'une déradicalisation.
Parfait. Et tu es agnostique. Si tu m'avais dit athée, c'est autre chose. Il y a moyen de travailler avec un athée. Et je me prépare en ce moment pour vous faire une belle série sur l'athéisme. D'accord ? Donc, tu vois un peu le personnage comme il est. Donc, ça, tout ce que tu vas expliquer derrière va peut-être être réconforté par ma manière de faire et de présenter les choses. On va continuer. Agnostique, c'est parfait. J'aime ça. Ça veut dire, peut-être il existe, je ne sais pas, je ne m'avance pas, je ne dis rien. Tu me rappelles François Mitterrand, d'accord ? Et d'autres agnostiques. Parfait, pas de problème. Ça nous aide à 70%, tu verras que tu es un croyant qui s'ignore. Tu verras. Ou même plus. Je ne critiquerai jamais la foi d'une personne. Ah bon ? Étant ton incapacité d'infirmer Dieu. Mais les religions sont, elles, une insulte à l'intelligence, à la raison humaine. Ok ? Une religion où tu adores ton raisonnement, c'est une insulte à tout. D'accord ? Une manière de penser, quelle qu'elle soit, d'accord ? Qui veut s'imposer, ou qui veut imposer, ou qui n'a aucune logique derrière, pourquoi pas ? Je suis d'accord avec toi. Maintenant, revenons à la religion. Moi, je te parle de celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour l'humanité. Très bien. Elle est à la perfection, intimement liée, amoureusement liée à la raison, à l'intelligence. Ouvre le Coran. D'accord ? Je dois dire aussi que je n'ai aucune haine envers les gens qui se disent religieux, que je considère victimes de la manipulation. Donc, un raisonnement philosophique. Comment tu penses qu'eux, ils sont victimes de la manipulation ? Eux, c'est une infinité de personnes, d'origines diverses et variées, de races diverses et variées, de statut social diverses et variées, de statut sociaux diverses et variées. Tu sais que jusqu'à il y a 300 ans, 400 ans, celui qui ne maîtrisait pas l'arabe, ou un peu plus, allez, 500 ans, celui qui ne maîtrisait pas l'arabe était considéré en Europe comme un inculte. Les plus grandes universités mondiales étaient dans les pays musulmans. D'accord ? Donc, les plus grands savants de l'humanité, attention, qui ont eu un grand bien sur la science actuelle, sont musulmans. Comment tous ces gens-là ont subi une manipulation ? Et toi, tu n'as pas subi une manipulation. Comment toi, tu as été à l'abri ? Ça, c'est juste, là, je parle que d'un raisonnement philosophique. Peut-être, que toi, tu as subi une manipulation. Peut-être, je dis bien peut-être. Même si la majorité n'a toujours pas raison. D'accord ? Tu peux être seul et avoir raison. Et tous ces 1400 ans d'histoire de grands personnages, attention, de grands scientifiques qui ont trouvé par la puissance du raisonnement philosophique et intellectuel, l'existence de Dieu. Pour eux, il s'est manifesté dans une seule parole qui s'appelle le Coran. Mais ça, c'est autre chose. D'accord ? On va, Inch'Allah, toi et moi, finir ton message et commencer d'abord sur est-ce qu'il existe ou pas, et je vais te le démontrer par la philosophie d'abord, et ensuite par la science. Et en trois, je vais t'aider, Inch'Allah, à le retrouver rapidement pour que tu ne perdes pas ton temps. Je dois dire aussi que je n'ai aucune haine envers les gens qui se disent religieux. Ça se voit sur tes attaques sur Twitter. Tu étais quand même instable. Là, quand tu as écrit, je me suis dit, c'est quelqu'un qui a au moins 30 ans, 40 ans, 45 ans. Là, je vois un écrit de quelqu'un qui a quand même un bagage derrière. Mais quand on voyait les attaques sur Twitter, plus sur une femme, plus, tu vois, l'être femme, tu sais ce que c'est, douceur, gentillesse, féminité, apaisement, tu n'arrêtais pas. Je dois dire aussi que je n'ai aucune haine envers les gens qui se disent religieux, que je considère victimes de la manipulation. Mon aversion est destinée aux religions en général. Donc il faudra que tu me donnes maintenant ta définition de la religion qui est une aversion pour toi, ou qui génère, ou qui produit, ou qui provoque ton aversion. Par ailleurs, je suis pour le multiculturalisme, etc. Il faudra aussi à chaque fois, s'il te plaît, que tu me mettes une définition, parce que vous, avec vous,
avec ce que vous dites, s'il vous plaît, parfois vous avez tout perverti. D'accord, les amis, nos amis là, de religion agnostico-athée, laïka aussi, rajoute laïka. Croire en Dieu sans avoir de religion me semble plus sain. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. C'est déjà extraordinaire. Parfait. Là, tu commences à être intelligent. Si Dieu existe, quelles sont ses caractéristiques? Et là, tu as voulu jouer le malin. Tu n'as pas pu te retenir, Naam. Tu n'as pas pu t'empêcher de montrer que tu aimes jouer le malin, mais ça ne te va pas. Je t'aime quand tu raisonnes. J'aime quand je vois la fluidité de ta pensée. J'aime pas ça. Donc apparemment, il est grand, devait être basketteur dans sa jeunesse, et tu m'as mis un smiley. C'est pas digne de toi. Donc, sans commentaire. Autrement, je dois dire que je n'apprécie pas vraiment votre rôle de prosélyte. Si vous êtes le propagandiste naïf, je veux bien vous pardonner. Non, je ne suis pas un propagandiste naïf, méfie-toi de moi. Que tu m'apprécies ou pas, c'est ton problème. Moi, je t'apprécie, je te reconnais, je t'écoute. J'ai fait ton tour depuis très longtemps. Je dis, j'ai fait plusieurs fois ton tour. D'accord ? Si tu es le monde, je fais plusieurs fois le tour du monde. Et si tu es un monde, j'ai fait plusieurs fois ton tour. Est-ce que toi, tu as fait le tour d'un atome de ce que je suis ? Ça m'étonnerait. D'accord ? Donc apprends, s'il te plaît, à élever un peu ton niveau pour comprendre l'autre avec qui tu es condamné à vivre. Tu es condamné, il n'y a rien à faire. Allez, tu es condamné à vivre avec le croyant. Et tu sais que ce millénaire est un millénaire religieux. Les athées eux-mêmes disent que c'est insoutenable de rester athée. C'est ton ami Michel Houellebecq. C'est intenable, c'est insoutenable. Les athées, ils sont dans le déclin. Ils sont dans la décadence. Ils sont les pauvres, il faut rire. D'accord ? Donc tu es obligé de plus en plus dans ta vie à vivre avec les croyants. Et à survivre avec eux. D'accord ? Et à les comprendre et à échanger avec eux, d'accord ? À essayer de voir un peu comment ils réfléchissent et comment ils voient les choses. Donc non, je suis loin d'être naïf, méfie-toi de moi, d'accord ? Je veux bien vous pardonner. Je ne t'ai pas demandé ton pardon, mais je te remercie quand même. Quelle gentillesse. Mais si vous êtes le manipulateur, ça me désole. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot manipulateur ? Quelqu'un qui enseignait à Sciences Po et dont les plus grandes écoles d'ingénieurs françaises. Entre parenthèses, j'ai fait une des plus grandes écoles d'ingénieurs françaises. Et en plus, je suis mathématicien aussi. Et tu sais, j'ai plusieurs vies. J'ai mené plusieurs vies, Habibi, je peux t'étonner. Et donc, je suis vraiment très loin d'être naïf. Très loin d'être naïf. Un jour, on est dans un de ces cours, et on parlait d'un cours sur la manipulation. Et je lui disais que... Donc, il parlait de la manipulation comme quelque chose de péjoratif. Et je lui dis qu'il y a la manipulation positive. Et là, il s'est arrêté. Il s'est arrêté, vraiment. Il s'est braqué. Parce que vous savez, vous avez des religions. Vous avez des moules, les pauvres. Dès qu'on vous sort un peu de votre moule, vous perdez la tête. Donc il a été étonné de ça. Je lui dis, oui, ça existe. Et là, il est devenu rouge, il a voulu argumenter. Il a dit, oui, ça existe. Donc moi, je suis naïf, comme tu dis. J'ai laissé faire. À un moment donné, il nous dit, à Marseille, je donnais un cours, et quelqu'un, voilà, n'était pas d'accord avec lui. Voilà. Et il a dit, je lui ai parlé d'une anecdote, par exemple, à Amiens, que j'ai vécu à Amiens. Là, je lui ai dit, tu ne l'as pas manipulé, tu n'as pas essayé de le manipuler positivement. Ton anecdote que tu lui as racontée, c'était pour lui clouer les bacs sur une chose qui t'a dérangé au moment à Marseille. Donc tu es parti jusqu'à l'anecdote que tu as vécue, voilà, pour le manipuler positivement. Et chacun manipule l'autre. Mes enfants me manipulent, mon épouse me manipule, je manipule. Il y a, si je manipule et si on me manipule dans un bon sens, pour une bonne chose, ma fille, quand elle veut quelque chose, quand elle veut obtenir quelque chose, va, donne-moi telle chose. Je dis non, elle m'embrasse. S'il te plaît, elle va faire des grimaces. D'accord ? Mais je vais te faire plaisir. Si tu donnes à la manipulation la définition, ta définition à la tienne,
la tienne. Je ne suis pas manipulateur, je suis ouvert, je n'ai pas de tabou. J'argumente avec toi, jusqu'au bout du bout. Et je consacre des nuits blanches en continu à échanger avec toi, avec un respect total, une tolérance totale, une ouverture d'esprit totale, sans jamais te juger, d'accord ? Et sans jamais te vouloir du mal. Non. Donc, si vous êtes le manipulateur, ça me désole. Tu n'as pas à être désolé, tu as plus de 850 occasions de me connaître. Si tu me trouves un seul moment où tu vois quelque chose de malsain, de répugnant, appelle les services de renseignement, s'il te plaît. Ce n'est pas que je suis contre le fait de vouloir convaincre les gens. Je serais mal placé pour vous le reprocher. Bah, toi-même, tu es venu me chercher. Je ne suis pas venu te chercher, c'est toi qui es venu me chercher. Pour me convaincre, encore heureux, on vit avec des gens, ils essaient de nous convaincre, on essaie de les convaincre, et c'est même extraordinairement beau et sain et légitime pour le cerveau. Le cerveau humain a besoin de ça. Et la civilisation mondiale, hein, humaine, a été née de ça, de ces confrontations entre les neurones. Je sais quand je suis arrivé dans le rappel cybernétique, j'avais écrit un article. Je disais que j'aime la confrontation des neurones, de la matière grise, pour le rapprochement entre la matière des cœurs. J'aime ça. Donc tu as une matière grise, tu as une pensée, tu as un raisonnement. Il m'intéresse. J'apprends beaucoup ton raisonnement, d'accord ? J'avance beaucoup avec le tien. Et tu verras que tu ne pourras pas avancer sans mon raisonnement. Tu ne pourras pas avancer dans la vie. Pas moi, mais tous ceux qui vivent avec toi. Et toi-même, ta pensée à toi a été irriguée, a été façonné de ta rencontre avec d'autres et de ta confrontation avec d'autres, dont la joie et la bonne humeur. Mais le prosélytisme religieux aboutit forcément à des questions d'argent. Ça, c'est toi qui le dis, parce que malheureusement, tu as été perverti par l'histoire de tes pays avec le clergé. Religieux aboutit forcément à des questions d'argent. Les sectes font ainsi. Ok ? Les sectes font ce qu'ils veulent. Et toi-même, si tu ne te débarrasses pas de quelques perversions de ta pensée, tu peux rapidement tomber dans le sectarisme, que je combats personnellement. Va voir mon discours, va voir mes discours, et tu verras que je combats le sectarisme, quel qu'il soit, et surtout chez les musulmans. Si vous êtes le manipulateur conscient, alors vous êtes un VRP, un commercial d'une entreprise destinée à attraper les naïfs croyants, et les amener vers la secte. Tu sais, ce qui m'étonne avec vous, les amis, c'est que vous avez un des systèmes d'enseignement, apparemment, les plus puissants au monde. Il paraît. Vous êtes la quatrième puissance au monde. Très bien. Vous avez des médias. Vous avez la France des Lumières. Et vous avez, et vous avez, et vous avez. Et vous êtes le peuple le plus sectarisé au monde. Rapidement, on joue avec vous. Rapidement, on vous manipule. Là, tu vois, les sectes qui poussent en France, tu vois des cadres supérieurs qui se font manipuler en famille par un imbécile, un âne. Un âne, tu sais, moi je le vois, l'âne qui manipule, tu sais. Le pauvre, Allah, il n'osera même pas parler dans une pièce où je suis. D'accord ? Donc arrête de me dire ça à moi, s'il te plaît. Donc je ne suis pas un VRP, un commercial qui cherche des naïfs à... Au contraire, donc je vais t'apprendre quelque chose. Je me suis déplacé, et je me déplace toujours, partout en France et en Belgique. J'ai failli partir en Suisse. Et j'ai toujours dit aux gens, quand ils me disent, c'est quoi vos prestations, combien vous demandez, j'ai toujours dit, zéro. Je ne demande rien. Donc je partais vendredi, je rentrais dimanche ou parfois lundi, et je ne demandais rien. C'est bon, donc c'est réglé ça. Je demande rien. Ces rappels que je fais, depuis le début, YouTube est venu me dire, est-ce que vous voulez monétiser là, c'est ça ? Pas monétiser, là, gagner de l'argent. Comment on appelle ça ? Voilà, ils ont un nom pour ça, et j'ai jamais voulu. Ça ne m'intéresse pas, d'accord ? Tu me diras que mes vidéos n'intéressent pas grand monde, mais de toute façon, dès le départ, je n'ai pas voulu gagner un centime avec ce que je fais sur Internet. Donc, ce que je fais sur Internet, mon ami, il ne m'apporte rien, d'accord ? Et il ne m'apporte que des problèmes. Si on le calcule avec le pécunier, ou avec ta manière de comprendre les choses, parce que toi, tu ne donnes pas une heure gratuitement.
Tu ne veux pas donner une heure de ton temps gratuitement. Tu adores l'argent. Le temps est de l'argent. Tu vénères ça. Tu as une relation particulièrement spéciale avec l'argent. Quand je dis toi, on me dit devant moi, on ne sait pas. Mais la typologie de personne qui te ressemble, généralement les gens adorent l'argent. Ils ne peuvent pas bouger sans qu'il y ait l'argent. Sachant que je tire mon chapeau au passage aussi à la France qui est un pays volontaire. Où il y a le volontariat, où le volontariat se développe. J'aime ça et j'encourage ça en France. D'accord ? Mais en général, les gens n'aiment pas bouger, n'aiment pas faire quelque chose s'il n'y a pas d'argent. D'accord ? Donc moi, je ne demande rien à mon ami. Donc c'est raté. D'accord ? Et bim dans tes dents. Et l'État non plus d'ailleurs, très bien, et je ne cautionne pas, et l'État non plus d'ailleurs, c'est interdit en Europe. Ah bon ? Le prosélytisme est interdit en Europe ? Peut-être j'ai mal compris. Ça fait longtemps que j'aurais eu à être en prison parce que j'ai toujours prosélytisé. Ça se dit pas, je sais. Mais j'ai toujours prosélytisé. Alors, j'ai jamais raté une occasion pour prosélytiser, pour appeler les gens, mon ami, à la croyance, à ce qui les sauve sur terre, sous terre, et le jour où ils rencontreront Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Donc tu m'apprends quelque chose. S'il te plaît, appelle les services de renseignement et dis-leur il y a un prosélytiseur, d'accord ? Un magnétiseur, manipulateur. Au Moyen-Âge, il parle déjà sur le Moyen-Âge, vous pouviez faire ce que vous faites sur la place publique. C'est plus permis désormais. Ah bon ? Ben, ce que vous faites, donc je le fais actuellement, donc ce n'est pas permis, donc je suis hors la loi. Qu'est-ce que tu racontes, mon ami ? Là, à la fin, ton raisonnement était... Au début, tu avais bien raisonné. À un moment donné, je ne sais pas ce qui t'est passé par la tête. C'est plus permis désormais. Devez le faire caché. Vous devez le faire apparemment caché d'une certaine manière. Sur YouTube, oui, c'est caché, c'est comme on dit. Mais qu'est-ce que tu racontes, s'il te plaît ? Là, il n'y a plus de philosophie qui tient, il n'y a plus de raisonnement qui tient, il n'y a plus de spiritualité qui tient, il n'y a plus walou. Là, qu'est-ce qui t'arrive ? Là, tu es perverti par quelque chose. D'accord ? Tu n'es plus ce que tu as été au tout début. Mais ce n'est pas grave. Je te pardonne comme tu m'as pardonné. C'est plus bien, ok. Ça devait vous amener à vous poser des questions sur la légitimité de votre business. Je n'ai pas de business. Mon seul business, c'est toi. Échanger, argumenter, avancer. J'ai vécu avec des chrétiens, en bonne entente. J'ai vécu avec des juifs, en bonne entente. J'ai managé des chrétiens. J'ai managé des athées. J'ai managé sûrement des agnostiques. Et il m'appréciait beaucoup, alhamdoulilah, et il m'aimait beaucoup. Moi, je n'ai pas de problème avec les autres. C'est peut-être toi qui as un problème avec les autres. C'est peut-être toi. C'est ta religion à toi, malheureuse, qui t'a conditionné, qui te fait voir les autres, même si tu mens en disant que « Ah non, non, moi je n'ai rien contre leur foi. Je n'ai rien contre leur spiritualité. Mais je trouve les pauvres victimes. » C'est trop paternaliste, non ? Qui est le manipulateur ici ? C'est toi ou moi ? Qui veut tu dis, je n'ai rien contre leur foi, mais je les trouve les pauvres manipulés. Quelle aberration. Question sur la légitimité, ok, de votre business, mais je vous soupçonne, là, tu utilises des gros mots, mon ami, je vous soupçonne d'être un tantinet fanatisé et donc persuadé d'être au-dessus de tout jugement. Ah bon ? Non, là, tes médias t'ont parlé de gens conditionnés dans des écoles qu'ils appellent coraniques, les écoles coraniques au Pakistan, d'accord ? Ils ont été manipulés au Pakistan. Non, mon ami, j'ai passé en France plus de temps que j'ai passé dans mon Sahara. D'accord ? J'ai étudié à partir du bac en France. J'ai côtoyé les meilleurs, l'élite de l'élite, mon ami. Il y a un de mes profs qui disait que les polytechniciens, la seule chose qu'ils ont en commun avec le commun des mortels, c'est la respiration. Les polytechniciens eux-mêmes venaient faire une année de spécialisation dans l'école d'ingénieurs dans laquelle j'ai étudié. D'accord ? J'ai toujours, alhamdoulilah, appartenu à l'élite, si on veut parler d'élite en termes de gens extraordinairement brillants en mathématiques. Donc depuis le Sahara, j'ai toujours appartenu à l'élite de l'élite. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, si l'élite sont ceux qui sont brillantissimes au niveau de l'intelligence et au niveau des mathématiques. Donc personne ne m'a conditionné. Je connais parfaitement ta culture. Un jour, je t'inviterai chez moi et tu verras que je suis passionné par tes écrivains, ceux qui t'ont marqué,
ta culture et tout ça. Maintenant, toi, tu ne connais rien de moi et tu vois la bassesse avec laquelle tu me traites, alors que tu ne connais rien de moi. Donc non, je ne suis pas fanatisé du tout. J'ai aimé beaucoup de sciences, j'ai étudié pas mal de sciences et je te dis, pour ton salut et le mien, nous avons besoin tous les deux de répondre à la question que toute l'humanité s'est posée depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Et chaque humanité a essayé de lui donner des réponses. Elle s'appelle « Est-ce que Dieu existe ?» C'est une question très importante. Elle est la plus importante de tout. D'accord ? Imagine si tu es comme un âne qui est sur terre pour manger, pour boire, pour coucher et pour mourir. Quelle lourdeur ! Extraordinaire. Imagine si c'est ça. Si on est là, quelle que soit la vie, quel que soit ton niveau de richesse, si c'est ça la vie, ben c'est pour ça que les gens se suicident. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à trouver le bonheur. D'accord ? Donc là, il y a cette question-là. Est-ce qu'il existe ? Dieu. D'accord ? Elle est très importante. Au-delà de toute forme de religion, est-ce que Dieu existe ? Doit mobiliser l'humanité. Et doit mobiliser tous les moyens de l'humanité. Parce qu'elle est très importante. Je dis franchement, je plains celui qui vit sans Dieu, qu'il soit athée ou agnostique. Je suis persuadé d'être au-dessus de tout jugement. Moi, je suis ouvert. Tu me vois. Je me suis mis à nu. D'accord ? Vous n'arrêtez pas de dire « la science, c'est le doute ben ». Moi, je dis aux musulmans « douter ». Ça ne pose pas de problème. Doute comme tu veux. D'accord ? Mais à un moment donné, tu verras que le jour où tu réponds à la question « est-ce qu'il existe ou pas ?», tu verras comment tu vas te comporter avec cette conception scientifique qui s'appelle le doute. D'accord ? Parfait. Est-ce que je suis au-dessus de tout jugement ? Je ne suis qu'un humain. Faible. Et faiblard, mais qui essaye tout depuis, qui se rappelle de la vie d'être honnête jusqu'au bout du bout. D'accord ? J'essaie d'être honnête jusqu'au bout du bout. Vous avez été plein de gentillesse à mon égard. Il fallait que je te dise quoi ? Vous allez voir la bassesse de ce raisonnement. Vous avez été plein de gentillesse à mon égard, à la limite du « je t'aime, mon amour », parfois. Je vous ai lu le message que je lui ai envoyé. J'entends ce discours plein d'amour à chaque fois que je me retrouve face à des prosélytes sectaires. L'autre fois, c'était la scientologie et ils ont les mêmes méthodes d'approche. Je vous félicite pour ça. Donc tu vois ta bassesse ? Donc aujourd'hui, nous sommes tellement dans l'aberration qu'il faut que je t'insulte, il faut que je t'énie, il fallait que je te dise « va te faire foutre ». Tu me dis bonjour, je dis « va te faire foutre ». C'est ça. C'est ça que tu voulais, d'accord ? Donc moi j'ai lu le message, j'ai pas eu honte de lire ce qu'il annonce. Et c'est comme ça que je me comporte, que ce soit dans ton monde cybernétique ou le monde réel. D'accord ? Il y a un minimum d'éducation à avoir et je l'ai toujours eu. J'ai répondu à des milliers de personnes, d'accord, par mail, et j'accorde une importance capitale au comportement. Qu'il soit d'origine religieuse ou qu'il soit d'origine humaine, il faut que le comportement excelle. Et mon comportement, en répondant à ton message, alors que je savais que tu étais quelqu'un qui se prenait pour un malin et qui n'arrêtait pas de venir charger et charger et charger sur YouTube, sur Twitter, malgré ça, j'ai tenu à te répondre gentiment à la perfection. Maintenant, j'argumente avec toi. Parfois, tu as l'impression que je suis arrogant, oui, suffisant, oui, direct, oui, frontal, oui, mais je garde une affection pour toi et un respect sans limite pour toi. Et la prochaine fois quand tu me contacteras, je ne vais pas te dire « va te faire foutre, sale imbécile, sale con, sale instable ». C'est pas moi. Si c'est toi, si tu as été éduqué dans ça, si ta France t'a appris ça, moi, je n'ai pas les mêmes valeurs. D'accord ? Je vous félicite pour ça, parfait. La prochaine fois, tu m'envoies, Inch'Allah, une tarte. D'accord ? Pour me féliciter. En tout cas, j'espère n'avoir pas été trop virulent. Tu étais un peu maladroit, d'accord, je te le pardonne, un peu maladroit, désagréable, oui aussi. J'imagine bien que vous n'allez pas trop vous attarder à discuter avec une personne comme moi. Raté. Non, vous n'allez pas trop vous attarder à discuter avec une personne comme moi, au contraire. Là, toi, tu me stimules. Tu n'imagines pas ma stimulation. Wallahi, tu vois ?
aucune peur, aucune crainte, il n'y a pas de tabou. Pose ce que tu veux comme question. On raisonnera pendant une année si tu veux, en te disant, Dieu n'existe pas. Je peux te le dire, allez, et je peux t'argumenter. D'accord ? Je peux te cerner même et te démontrer par ton raisonnement que Dieu n'existe pas. D'accord ? Je peux, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Mais le jour où tu verras que tu as été bordé à l'infini, hein, que tu n'as plus de réponse, j'espère que tu seras honnête. D'accord ? Et que tu sors de ton et que tu sortiras ton agnostisme, de ton agnostie. D'accord ? As-tu été avec une personne comme moi, une personne comme toi ? Mais elle est brillante. J'ai besoin d'elle pour exister, pour la manipuler, pour la sectariser, hein, pour tirer de l'argent d'elle. Ah oui, j'ai oublié de te dire, je suis responsable d'un projet de e-learning, d'apprentissage, d'enseignement en e-learning. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens, je leur dis c'est gratuit. Tu as déjà vu ça, quoi ? Gratos. Et ceux qui ne peuvent pas acheter des livres, j'essaye, je me déploie pour leur offrir les livres. Et on a déjà offert un ordinateur à une étudiante qui avait un problème d'ordinateur. On lui a acheté un ordinateur neuf. Tu vois ça ? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça ? Et je ne gère pas une association. Ok, avec une personne comme moi qui ne représente pas grand intérêt. Financier, peut-être. Si tu vois le monde avec ça. Ma mère disait, ma ta'rifu fi nafsika yadulluka 'ala an-nas. Ce que tu connais de toi te donne des indications sur les autres. Si toi, tu trouves que l'intérêt est intimement lié avec l'argent, c'est ton problème. Moi, l'intérêt, c'est ta valeur. Comment tu raisonnes? Comment tu vois les choses? Est-ce que tu es saint d'esprit? Est-ce que tu es perverti? Est-ce que tu as été perverti? Et mon rôle à moi, c'est de te dépervertir. Te déradicaliser, ça se dit pas. Oui, de te donner un nouveau élan, de te montrer d'autres horizons, de te montrer d'autres manières d'approche et de voir les choses. Ayons peu de chances d'être convertissable. Il ne faut jamais dire ça. Et ta reconversion ou ta conversion ne m'apporte rien. Sache-le. Mais un jour, on se rencontrera devant Dieu et il te dira: cette rencontre n'était pas là par hasard. Tu ne l'as pas saisi, tu ne l'as pas voulu, et tu as voulu continuer à vivre comme un imbécile qui ne reconnaît pas Dieu et qui ne veut pas Dieu dans sa vie et qui se consolait en disant « Je suis un agnostique. Pourquoi pas ?» Donc mon ami, saisis-moi, je suis une très belle occasion. Je suis l'occasion de ta vie. Maintenant, c'est ton problème. Au moins, peut-être aurais-je touché un minimum votre esprit. Je t'aime. Alors oui, ça touche mon esprit. Là. C'est toute ta manière de présenter des choses. Ça ne me laisse pas indifférent. J'aime ça. Donc prépare-toi. Ne sois pas lâche. Même inconsciemment, vous avez entendu ma vision des choses. Non, j'ai lu ton mail, je l'ai relu, il m'a passionné. Je suis en province, je suis en déplacement. Et je te réponds quand même, d'accord ? C'est le plus important. C'est le plus important. Parfait. Là, tu retrouves l'esprit du début. D'accord ? Donc apprends, s'il te plaît, à rester logique avec toi-même du début jusqu'à la fin. Il y a des moments où tu as été mauvais. D'accord ? Et ce n'est pas moi, croyant ou pas croyant, que tu le dis. N'importe quelle personne qui lit ça trouve des bassesses dans ta manière de voir les choses ou d'exprimer des choses. C'est le plus important. Bonne soirée, l'ami. Bonne soirée, l'ami. Très bien. À bientôt, peut-être. Je suis toujours là. Je serai toujours là. Va voir. Va me rencontrer. Pas par oral. On pose mieux les idées par écrit. C'est un peu lâche. C'est un peu peureux. D'accord ? C'est vraiment lâche et c'est peureux. Tu fermes la conversation, tu fermes le débat. Tu fermes la confrontation de la matière grise, tu ne déroges pas la règle, attention. 100% de ceux qui viennent jouer les malins, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur manière de penser, quand je les invite à l'oral, ils n'aiment pas. Et surtout les musulmans. On me dit même les musulmans, non, c'est surtout les musulmans. D'accord, les sectaires musulmans. D'accord, là, tu ne m'as pas trop... Je ne t'ai pas trouvé très intéressant. Là, j'ai trouvé un peu peureux et un peu lâche. Mais je descends à ton niveau, il n'y a pas de problème. Toi, tu écriras... Moi, je répondrai oralement. Il n'y a pas de problème.
D'accord ? Qu'Allah te permette de le rencontrer, qu'Allah te permette de le voir, pas comme une imagination, pas comme une pulsion imaginaire, qu'Allah te permette de le sentir et de le ressentir, qu'Allah te permette de le voir, qu'Allah te permette de te débloquer. Restons en contact et maintenant pose-moi tes questions une par une, le temps que tu veux. Je t'invite vivement à venir faire ma connaissance. Regarde juste mes titres sur plus de 850 rappels sur Internet. Regarde juste mes titres et choisis mes titres et tu verras, tu vas être étonné. À chaque fois que tu finiras mon rappel, tu diras, avant même que tu finisses ton rappel, dès que la partie lourde arabe passe, tu diras, ah oui, il y a de la sagesse. Je vais te donner, je vais te dire, là je te manipule, regarde. Dès que tu vois mon rappel, dès qu'on finit l'arabe, tu vas voir, ah oui, il y a de la sagesse. Il y a de la clairvoyance. C'est différent de tout ce que j'ai pu voir chez les hommes politiques, chez les sectaires, chez les manipulateurs de tous bords, chez mes professeurs, chez les autres gens qui parlent de leur croyance ou foi. J'ai traité tous les sujets. Il n'y a pas de sujet tabou pour moi. Donc, tu vas prendre ton cible, tu vas voir. Je veux dire, au début, tu vas dire, il est bizarre. Il s'exprime de manière un peu bizarre. Son accent, il dit des mots bizarrement. D'accord. Mais ça, rapidement, tu vas être guéri de ça. Et tu vas voir, tu vas commencer à toucher l'âme du rappel. Donc, voilà les mots que tu vas écrire. Clairvoyance, sagesse, intelligence pure et aiguisée. Extraordinairement déstabilisante. D'accord. On me dit, mashallah, na mashallah. Donc, il y a des gens qui vont dire, oh là là, il se gonfle, le pauvre, il est bizarre, il n'est pas modeste, il n'est pas... Tu apprendras aussi qu'il est très modeste, avec une grande humilité, d'accord. Mais avec des gens comme toi, il faut savoir un peu les secouer un peu, d'accord. Donc tu ne sortiras pas de cette expérience indemne, de cette rencontre de ta vie, crois-moi. Je suis à ta disposition là où tu veux. Donc si tu refuses l'oral téléphonique, je suis à ta disposition là où tu veux. Tu apprendras à me connaître, Inch'Allah. Et le jour où tu seras musulman, tu ne me remercieras jamais assez. D'accord. Parce que je t'aurai secoué un peu, parfois d'une manière arrogante, parfois d'une manière frontale, parfois d'une manière douce, parfois en fonction de ce que tu veux. Et tu me remercieras, Inch'Allah. Habibi, la réponse des réponses que tu cherches, c'est est-ce qu'il existe ou pas? C'est cette première question que je t'ai donnée. Est-ce qu'il peut créer plus fort que lui? Tu as répondu toi-même. Qu'Allah te bénisse. Continuons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.